pense, les parents, il faut valoriser les parents qui éduquent leurs enfants, qui assurent la sûreté de leurs enfants. Il faut sanctionner. Sanctionner les parents qui abandonnent. Parce que ces enfants, avant qu'ils deviennent criminels, avant qu'ils assassinent des vies, un homme comme M. Frey, normalement, ça fait longtemps qu'on a dissous. On a dissous aussi l'association. Et aussi d'enlever sa nationalité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un prétexte d'avoir une nationalité. Une nationalité, pour moi, il adhère les valeurs de la République. Un homme, il n'est pas émis, et un ami. Il respecte les lois. S'il ne respecte pas les lois, ni les valeurs, il devient une vraie menace à la société. Pourquoi le laisser? Il n'est plus français. Les personnes qui sont parties en Daesh, ils ont préféré le drapeau noir de Daesh que le drapeau français. Ils ne sont pas des Français, désolé. Un Français, pour moi, il adore ce pays, il aime ce pays. La France, elle a tout donné pour eux. Elle a tout donné. Cette égalité, qu'elle existe nulle part. Cette jeunesse, allez voyager à l'étranger. Allez voir ailleurs. Réveillez-vous. La France, elle vous aime. Elle aime vos parents. La France, elle a donné mes enfants toutes leurs chances de réussir grâce à l'école. Si les mamans, les parents, là je parle autant que père, si les mamans et les parents ne se réveillent pas, moi j'aimerais avoir des milliers ici, des parents, de venir, de pleurer. Pleurer un prof innocent, soi-disant une caricature, quelle caricature. On peut avoir un désaccord, on n'est pas d'accord, on sort de la classe, mais on ne peut pas décapiter quelqu'un, on ne peut pas appeler à la haine.